Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On est déjà le dernier mercredi du mois de décembre et donc c'est le Disney Challenge entre copines. Cette fois-ci, le Disney qui a été choisi, c'est celui sur la petite sirène. Donc voilà, c'était le thème de Amy, si je ne me trompe pas. Oui, je pense. Donc comme à chaque fois, le challenge se fait avec Amy et Evelise. Les liens de leurs vidéos seront en barre d'infos, comme à chaque fois, bien entendu. Et alors, je vais partir sur la petite sirène, je pense, puisque j'ai déjà fait un make-up sur Polochon. Je te le remets juste ici si tu ne l'as pas vu. Ça fait déjà quelques mois maintenant. Donc voilà, je vais partir sur la petite sirène. Alors, je vais rien... Enfin, je le dis à chaque fois, mais je vais rien faire de foufou. Je vais m'inspirer de ses couleurs, donc utiliser le violet et le vert sur la paupière. Peut-être coller quelques strass effet perles pour faire comme si c'était des bulles. Une bouche rouge, bien entendu. Et j'ai sorti... envie d'essayer, j'avais fait ça pour Polochon, un barésie et je me dis peut-être essayer sur la lèvre, tu vois, pour faire vraiment un effet écaille de poisson. Je vais bien voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, j'effacerai et je recommencerai. Mais voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, sans plus attendre, c'est parti!
Et voilà! Alors, je suis très contente du résultat. Ça donne super bien sur les lèvres. Donc, j'ai juste mis un highlighter par-dessus. J'ai mis le Polar Vortex en teinte Pink Icicle de Be Perfect. Je vais y arriver. C'est celui que j'ai mis sur le visage aujourd'hui. Et franchement, j'aime trop. Là, les petits strass, je me suis inspirée d'une photo trouvée sur Pinterest. Ça rend pas aussi bien que la photo que j'ai trouvée, mais je trouve, voilà, ça fait un peu penser à une queue de poisson aussi, donc voilà, j'aimais beaucoup. Les teintes, j'adore, ça fait vraiment les teintes d'Ariel, donc voilà, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que mon challenge est plutôt réussi. Alors, je n'ai fait les strass que sur un œil, j'aurais pu faire les deux, mais j'aime bien quand c'est asymétrique, moi, donc voilà, je trouvais que les deux seraient peut-être fait trop, mais voilà, on peut faire sur les deux, et ouais, j'aime beaucoup, tu me diras ce que tu en penses encore une fois en commentaire, et voilà. Donc bien entendu, si tu n'as pas vu les vidéos des copines, les liens seront en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller leur faire un petit coucou. Et voilà, on se retrouve le mois prochain pour le prochain Disney Challenge, donc toujours le dernier mercredi du mois à 16h. Et voilà, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave, je verrai à ce moment-là. Et donc ben voilà ce qui termine cette petite vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah!